Bonjour Christine. Coucou Johan. Ravi de faire cette interview avec toi. Et j'aimerais aujourd'hui que tu nous parles d'un projet qui te tient à cœur, dont tu m'as fait part il n'y a pas longtemps, autour des toiles que tu as réalisées depuis un petit moment déjà. Donc avant d'être une artiste peintre, tu es aussi une consultante artistique, mais tu voudrais faire profiter de tes toiles à certaines personnes. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton projet ? Avec plaisir. Oui, donc je suis récemment installée sur Lisbonne, dans les environs de Lisbonne, et je souhaitais faire partager mon art aux entreprises. J'ai une exposition qui court actuellement en France et que j'ai l'intention de rapatrier au Portugal pour pouvoir en faire bénéficier le maximum de lieux, dont des entreprises ou autres lieux. Et cette exposition actuellement comporte une trentaine de toiles, mais j'ai des réserves de toiles qui pourraient également faire partie d'autres expositions. En fait, c'est proposer plusieurs expositions en même temps, c'est tout à fait concevable dans la mesure où j'ai une centaine de toiles actuellement en service, quoi. Et l'intérêt de... Alors effectivement, si je propose cette exposition, c'est pas seulement pour faire joli, c'est également pour faire bénéficier chacun des vibrations, des énergies qu'elle propose d'envoyer pendant ces expositions, aussi bien pour en faire profiter le lieu que les gens qui s'y trouvent. Donc, avis aux amateurs, si vous êtes intéressés, vous n'hésitez pas à me joindre sur mon site par exemple, et nous pourrions éventuellement nous rencontrer, choisir les œuvres qui vous conviennent et les exposer donc dans le lieu qui vous convient également. À l'issue de cette exposition, ce que je peux vous proposer également, c'est de me rendre dans votre entreprise si c'est le cas et de proposer à vos collaborateurs ainsi qu'à vous bien entendu une explication, un échange interactif autour des toiles et des ressentis de chacun et des pouvoirs entre guillemets qu'ont ces toiles au niveau énergétique. Voilà, donc c'est une possibilité. Je pourrais venir passer une heure ou deux avec vous et puis discuter à bâton rompu de ce qui se passe au travers de ces toiles. Et cette exposition, c'est gratuit ou C'est complètement gratuit. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'en faire bénéficier un maximum de personnes. Et parce que je pense quand même qu'avec ce que l'on vit en ce moment, on a besoin d'être aidé, soutenu. Et j'ai une grande confiance dans mes toiles et dans ce qu'elles peuvent vous réserver de bon et vous apporter de bon. Donc j'ai vraiment mon souhait, c'est de le partager avec un maximum de personnes. Et tu m'as confié récemment que tes toiles ont fait l'objet d'une mesure avec des appareils très perfectionnés. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot ? Oui, alors on est en train de, avec toi déjà aussi, on a effectué pas mal de mesures, aussi bien avec un outil qui s'appelle l'antenne de l'Escher, un autre outil qui s'appelle la caméra BioWell, qui est vraiment un outil excellent, d'ailleurs qui est utilisé beaucoup dans les entreprises actuellement, et donc qui permet de révéler l'impact de mes toiles sur les gens et sur les lieux. Donc ça, c'est tout à fait c'est en place déjà, et c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister et de proposer ces toiles, parce que je sais que ces œuvres vont pouvoir vraiment apporter un bienfait à tous, quoi. En tout cas, je te remercie beaucoup, Christine, et n'hésitez pas à la contacter pour vivre une aventure et une véritable expérience avec ces toiles. Ce sera un très grand plaisir de partager avec vous tous. Et à bientôt, j'espère.